Oh là là, il faut qu'est-ce que tu me dis sur le cinéma des femmes. Bon, bah, j'espère que j'aurai des trucs à dire. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'avais déjà commencé. Ça y est, c'est complètement quoi. Là, c'est cache-pistache. Moi, je produis. Ouais. J'ai participé à des écritures de scénarios, mais je réalise pas. Et donc, voilà, j'ai un petit doc. Puis après, ce sera fait. J'aurai réalisé. Je me sens pas avoir un univers moi. Donc là, un documentaire, c'est observé. Puis c'est ça parle quand même de réalisatrice, donc de quelque chose que je connais. Donc ça va. Mais comme je les connais, c'est assez marrant que j'arrive pas du tout à être journaliste. Hein. Ouais. J'arrive pas à leur poser des questions de journaliste. Ouais. Des questions pas sympathiques pour que ça déclenche quelque chose en face. Moi, je sais pas faire ça. C'est vraiment aller toucher. J'ai envie d'être à l'inverse, j'ai envie d'être d'accord, de la mettre en avant, d'être pour là pour elle, d'être en empathie. Donc en fait, il faut un cycle, il passe que des films de femmes. Donc, okay. Films de Valérie Donzelli, Maïwenn, Tarek Al-Toski. Mais aussi Valeria Bonitelski, Julie Delpy, Megan Hansen Love. Enfin, c'est que des films de femmes comme ça pendant 2 mois. Et elles me demandent de faire ce documentaire. Je dis, ah non, mais pas moi. Ah, mais non, mais pas moi, faut pas me demander ça. Parce que quand elle m'a demandé de faire ce cycle, je disais, c'est pas moi la différence entre une femme réalisatrice et un homme réalisateur. Je lève les yeux au ciel. Oui. Puis en fait, en faisant le documentaire, je me dis, en fait, c'est pas. C'est une question qui n'est pas si simple, pas si claire. Il y en a eu, un documentaire sur les femmes réalisatrices, mais pas vous. La nouvelle génération, c'est celle qui... Ouais, je vois ce que tu vois. Je pense que ça change. Le discours a beaucoup changé. C'est ça. Entre le moment où tu as commencé et maintenant, la sensation que ça a changé le regard sur les femmes réalisatrices, et ça continue d'être une question ou ça ne l'est plus du tout? Ça continue d'être une question. Tout le temps, ouais. Ils font tout le temps ça, mais c'est tellement con que... Voilà. J'esquive. Ma question est tellement tarte à la crème que t'as... je suis envie de partir en courant. Mais... J'ai commencé à me poser la question à partir du moment où on me l'a posée. Quand j'ai fait mon premier long métrage, alors vous êtes une femme, etc. Ah oui, tiens. Ce que je déplore, c'est que souvent ça se réduit à poser la question aux femmes qui font ce métier. Alors, en fait, il faudrait la poser à tout le monde sauf à elle. Mais c'est pas parce que je me pose pas la question que ça n'existe pas, j'en sais rien. C'est surtout que je suis pas du tout journaliste. C'est une catastrophe. Et on fait genre on se connaît ou ouais, genre on se voit. Non, non, ouais. D'accord. J'ai pas grand chose d'intéressant à dire. C'est pas vrai. Vraiment, il n'y a que dalle. J'arrive pas du tout à classer mes idées.